Vous avez libéré le point zéro. Super. Enfin, qui sait si ça n'a pas eu une conséquence dramatique imprévue? C'est possible. Bon, sans doute que non. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on devrait organiser une fête pour saluer notre superbe victoire. Allez voir sur place pendant que je fais un peu d'astrophysique sur un coin de table pour m'assurer que l'apocalypse a bien été évitée. Ah ouais, l'équipe technique n'a pas fait son boulot. Eh, vous pourriez vous en occuper. Moi, je ne sais pas organiser les fêtes. Je suis plutôt du genre invité d'honneur, vous voyez. Au moins, ils n'ont pas oublié les canons à confettis. Je déteste ces machins, mais on ne peut pas dire que ça ne met pas l'ambiance. Vous pourriez aller les allumer pendant que je refais mes calculs, parce qu'il y a clairement un truc qui cloche. C'est assez amusant de les allumer, beaucoup moins de les entendre. Je commence à regretter de ne pas en avoir eu à mes anniversaires. Se plaignent des vieux déchets de l'Institut Onirique qui encombrent encore le paysage. Il nous faudrait une solution rapide. Un truc que n'importe qui puisse faire, même Banane. Je sais, transformer les déchets en installations d'art contemporain. Ça va prendre des plombes. Surtout que j'ai des trucs vachement plus importants à vous faire faire, là. Comme je suis occupé avec mes modélisations super inquiétantes, j'aimerais que vous gériez ça à ma place. D'intemporalité? Non, parce que c'est hideux. Mais un genre de hideux différent d'avant, donc. Bravo, mission accomplie. Bon, qu'on ne se méprenne pas, j'ai adoré sauver la réalité. Mais si j'avais su que je finirais à devoir m'infliger des équations vectorielles à 10 inconnues pour des plantes vertes, eh ben j'aurais pesé le pour et le contre plus longtemps. Voilà. Enfin bref. Vous pourriez me trouver une graine. C'est pour une expérience. J'arrive pas à croire que je fais de la science de carnaval.
Peut-être qu'elle réagit à chaque écosystème. Les plantes font ça, non? Lancez la graine pour voir si elle prend racine, si ça ouvre une faille ou si ça détruit l'espace-temps. C'est dur à estimer. Et maintenant, plus qu'à attendre. Et à arroser. Et à élaguer. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec les plantes vertes ?